Alors bonjour Jules, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu aimes bien Mortel Adèle? Bah j'aime bien parce qu'elle est à la fois gentille et en même temps méchante. Ouais. Elle est bizarre. Tu peux me raconter un petit peu qu'est-ce qu'elle fait dans les histoires de Mortel Adèle? Qu'est-ce qu'elle fait Mortel Adèle? Bah elle catapulte son chat par exemple. Dès qu'il y a Jade et Miranda, c'est des filles qu'elle déteste. Ouais. Bah elle est comment dire? Elle leur dit des méchancetés et tout ça, donc c'est assez rigolo. Ok. Donc toi, ça te fait rire en fait? Oui. Et est-ce que tu as déjà essayé de faire des bêtises comme Adèle? Oui. Ah oui, il y a Frédéric. Mais on voit rien ou quoi? Oh, je suis trop fort. Ah, mais j'ai perdu un truc. Ouais, je suis trop fort. Merci. Ah, pardon. Vas-y. Myriam et... les plus petits sont là. Les petits. Alors, vous êtes des fans de Mortel Adèle? Moi, c'est surtout ma sœur qui est fan. Moi aussi. J'ai lu quelques-uns des Mortel Adèle. Moi, elle en parle souvent. D'accord. Et pourquoi ta sœur elle est fan? Qu'est-ce qu'elle te raconte sur Mortel Adèle? Moi, elle me raconte souvent qu'elle fait beaucoup de bêtises et que c'est ça qui l'intéresse surtout. Et aussi, bah, c'est marrant parce qu'elle a beaucoup d'animaux et que c'est vraiment un monde fantastique qui l'intéresse. Vous sortez de l'expo Mortel Adèle, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était vraiment génial, on avait vraiment l'impression d'être dans l'univers. Ouais, dans l'univers, c'était trop bien, c'était interactif et tout. D'accord, c'est un univers que vous connaissez bien? Ouais. Moi je lisais beaucoup quand j'étais petite, donc vraiment c'était trop bien, j'étais très contente. C'était un petit peu un retour en enfance? Ouais, vraiment, oh là là, c'était trop cool. Et t'as retrouvé la Adèle que tu connaissais, oui, que tu lisais? C'était trop bien, avec les bizarreries, etc., les frascules, c'était trop bien.